Bonsoir à tous, bienvenue pour ce petit live de Derrière les Fagots. Du coup, ça fait un petit moment, mine de rien, que je ne vous ai pas fait de live. Et comme vous le voyez, je suis un peu chaos technique. Alors déjà, je vais couper le son, hein, ça évitera l'écho désagréable. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien pour vous, les amis? Un gros bisou à tous ceux qui sont déjà présents. Donc à Nico Prime, coucou Nico. Je suis super chaud pour le défi, mais comment te dire? J'ai complètement zappé d'envoyer les figues, mais promis, j'y pense pour dans la semaine. Bisous à Ward, toujours présent, ça fait plaisir. Bisous à Radio Galaxy. Bisous à Thomas Nizet. Bisous à Matawer Gwenael. À Ben Illustrateur. Big up Ben. Les gens ne le savent pas, mais avec Ben, on prépare des petites choses sympas pour les Happy Factory Day. Ah, il y a Xavier aussi. Salut Xavier, ça fait plaisir de te voir ici. Salut Christophe Lagarde. Salut Benjamin Labouche et salut Simon. Donc j'espère que vous allez tous bien ce soir. Bon du coup je reprends tranquillement les lives. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais comme je le disais, ça a été tellement la course que j'ai préféré un petit peu me focus et y aller petit à petit. Donc pour ce soir, qu'est-ce que je nous ai réservé? Donc, on va peindre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup j'ai fait une annonce concernant le retard de l'art de la miniature. Donc j'ai fait la fameuse vidéo. Et là ce soir je voulais vous montrer en gros les deux figurines qui seront positionnées de façon aléatoire dans les pledges des contributeurs de sorte à me faire pardonner ce retard. Je m'excuse encore une fois pour ce retard. Malheureusement c'est vrai que bah voilà, il a fallu que je prenne une décision même si elle n'était pas facile. Du coup on a le petit gobelin que j'ai sous-couché en Goblin Green. Celui-ci, je l'ai couché en Bestial Brown. Donc, c'est des sous-couches Army Painter. Ça me permet directement de teinter la figurine. Et j'ai pas de plan d'attaque. Mais je vais essayer ce soir, avec vous, de finalement vous montrer tout le principe en fait de la dilution, des différents niveaux de dilution et des différentes charges. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas que la dilution sur un pinceau, il y a aussi la façon dont on va charger le pinceau. Et tout ça, j'ai envie de le voir avec vous sur ces figurines. Ça peut paraître un peu bizarre comme concept, mais on va tranquillement rentrer dans le détail. Alors, Benjamin Labouche qui pose directement une question. Là encore, c'est bon, là, tu l'as bien dit. D'accord. Quoi de. Donc, j'ai une petite question pour commencer. N'hésitez pas à poser vos questions au début parce que du coup, je regarde plus souvent les commentaires et ensuite, petit à petit, je vais me concentrer sur les figues évidemment pour avancer tranquillement mais sûrement. Coucou Guillaume Lejeune et Yannick, ça fait plaisir de vous avoir tous avec moi ce soir et ça, c'est très cool. Salut Simon Toudic aussi. Voilà. Alors, au fait, allez-vous proposer d'autres figues studio avec les caps? Alors. Là, les questions qui concernent Happy Games Factory, il faudra plutôt les poser pendant les lives Happy Games Factory. Donc, je sais qu'il y en a un qui est programmé avec Romain jeudi. Et je pense que oui, ce sera bien d'insister là-dessus. Je pense que ça va donner des idées. Salut X. Alors, SC2X. Salut David Herbst. Salut à tous, en tout cas. Et puis, ben, ça fait plaisir de vous avoir aussi nombreux ce soir. Donc, comme je le disais, je vais répondre au fur et à mesure aux questions. Et pour commencer, je vais faire un truc tout simple. Je vais commencer juste par badigeonner une bonne vieille encre déjà préparée de chez Army Painter sur le gobelin pour un peu faire en sorte que certains éléments soient dégagés. Alors, le gobelin, à la base, il était rouge. Vous voyez ici hein, que je n'ai pas sous-couché non plus comme un goré. J'y suis allé. Voilà. Alors, j'ai mis en place un nouveau setup. J'essaye d'affiner au fur et à mesure le tir. Sachant qu'un de ces quatre, il faudra aussi que je pense à passer sur une caméra de meilleur def. Mais ça, on va dire que ce n'est pas forcément pour T8, mais ça viendra. Donc je commence avec tout simplement une encre Softone. Je vais utiliser cette caméra un peu sur le côté pour vous montrer les différents taux de dilution. Bon, là, c'est une encre basique de chez Army Painter, c'est des encres qui sont préfaites et qui sont assez pratiques pour ça. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête de trop, je vais juste. Et tout simplement, je vais badigeonner. Ça va vraiment me permettre de dégager en fait les surfaces un peu générales sans trop réfléchir. Hein. C'est vrai que pour ça, c'est pas mal. Ces encres sont très pratiques bah, pour tout le monde en fait. Parce que j'allais dire pour les débutants, mais au final, moi, j'en utilise énormément quand j'ai besoin de gagner du temps, d'écraser des zones. Donc, voilà.
Dans le livre, du coup, de l'art de la miniature, j'en parle parce que je montre un peu comment on peut se débrouiller au début sans forcément une énorme connaissance pour maîtriser un petit peu et pour donner un peu de volume à ces figurines. Alors, pour ceux qui... Donc, il y a Momo qui demande où ça en est pour l'art de la miniature. Donc, j'ai fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur mon YouTube où j'explique qu'en gros, la livraison aura lieu février-mars. Le livre n'est plus entre nos mains et en fait là on en est bah, au moment de l'impression, sauf que bah, du coup ça prend quand même du temps et ensuite une fois réception et livraison on part sur février-mars pour que vous ayez ça chez vous. Donc voilà, c'était aussi pour vous bah, montrer mon engagement que j'ai décidé d'ajouter ces deux petites figouses. Ça paraît de rien mais c'est des pièces qui, bah, qui sont sympas en plus pour s'exercer. Donc, pour moi, ça me permettait de joindre l'utile à l'agréable et de me faire un petit peu pardonner pour ce retard supplémentaire. Hop, hop, hop. Là, voilà, hein, comme je le disais précédemment, j'ai badigeonné sans trop de réflexion et je vais tranquillement laisser sécher et passer au troll. L'intérêt, en fait, c'est que je vais pouvoir vous montrer aussi deux façons de procéder, deux façons de travailler. Dites-moi si l'image est bien, dites-moi si tout est OK pour vous, que moi je puisse de mon côté refaire des réglages si nécessaire. En espérant évidemment que tout est nickel actuellement, ça m'évitera d'avoir à refaire des réglages. Et ça, c'est non négligeable quand même. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer à attaquer. Bon, comme je l'ai dit au début, j'ai pas de plan de bataille particulier. Sur cette pièce, je vais peut-être attaquer avec du Chaotic Red sur le troll. Donc, toujours bien secouer son pot. Alors, je le disais au début, ce qui est important, c'est de maîtriser sa dilution. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être extrêmement dilué, mais que parfois il va falloir bah, de la peinture diluée, parfois de la peinture moins diluée. Ici, par exemple, vous le voyez, ma peinture n'est pas forcément trop diluée, mais elle va être suffisante, par exemple, pour passer des bases. Ici, si j'ai envie de baser par exemple ben, ma main, hop, je vais pouvoir baser ma main sans passer trop de temps dessus. Par contre, si jamais je veux créer finalement ce qu'on va appeler un dégradé entre la main et le haut du bras, une fois que j'aurai passé cette couche de rouge un peu sombre, rien ne m'empêchera de revenir avec de la peinture un peu plus diluée pour créer ce qu'on va appeler du coup des transitions, des dégradés entre ma main très sombre et le haut de mon bras. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Une fois que finalement j'aurai fini de passer la couche un peu épaisse de Chaotic Red sur ce bras. Donc pour vous montrer les choses évoluer, je ne vais pas forcément peindre toute la pièce, mais au moins vous aurez une bonne idée de... Il y a différents traitements. Donc là, je secoue mon pinceau dans le pot d'eau, je l'essuie. Mais pas trop pour garder toujours un petit peu d'eau dans mon réservoir. Et là, on voit que c'est beaucoup plus dilué. C'est dilué, mais c'est maîtrisable. C'est-à-dire que quand je pousse la peinture, comme vous le voyez sur la palette, elle reste où je l'amène. Donc ça, c'est une peinture un petit peu plus diluée, donc un petit peu plus translucide. Donc comme vous le voyez, cette peinture un peu plus translucide, comparativement à ce que j'ai mis là, est beaucoup moins opaque. Moins opaque, ça veut dire qu'on va voir par transparence ce qu'il y a en dessous. Et c'est ce qui me permettra de créer un début, finalement, de dégradé. Donc voilà. Une fois ceci fait, donc vous voyez, j'ai la charge de mon pinceau, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus des kilotonnes de peinture sur mon pinceau. Une fois ceci fait, je vais encore essuyer mon pinceau. Et je vais diluer un cran en plus. C'est-à-dire que ma peinture sera encore plus liquide. Mais plus je vais avoir tendance à diluer ma peinture, moins mon pinceau sera chargé. C'est-à-dire que plus mon pinceau va être déchargé, et du coup ça va me permettre de poser mais très peu de peinture, et cette peinture qui du coup est extrêmement diluée va couvrir très peu. Et comme vous le voyez, petit à petit, se crée un dégradé entre finalement le haut du bras et le bas du bras. Donc c'est intéressant parce que comme je le disais, ça permet vraiment... De vous montrer bah, les différents niveaux de dilution et la différentes manières de charger son pinceau. Et l'un ne va pas sans l'autre. Très souvent, j'entends parler finalement de dilution
extrême, mais une dilution extrême, c'est intéressant. Mais pour garder un certain contrôle sur une dilution extrême, encore faut-il que le pinceau soit quand même déchargé. Évidemment, je n'ai pas un dégradé parfait, mais déjà là, ça vous montre déjà une base correcte. Alors, il y a Aurel Gage qui dit « Salut mon ange, je t'ai découvert sur French Wargame Studio, je viens de mettre au hobby et dans l'attente de ton livre, quelle marque de peinture et de pinceau recommandes-tu pour commencer pour du AOS ?» Alors, AOS, donc Age of Sigmar, finalement, on peut utiliser n'importe quel type de pinceau, n'importe quel type de peinture, tout comme n'importe, enfin, en fait, comme sur n'importe quelle autre gamme. C'est pas la gamme qui va définir, c'est pas la gamme de figurines qu'on peint qui va définir finalement la peinture qu'on va utiliser. Moi, ce que je te conseille, honnêtement, ça va être, c'est bête à dire, mais ça va être d'utiliser des pots de peinture, des couleurs qui te plaisent. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas sélectionner tes peintures et il faut pas se limiter à une gamme, à mon sens, parce qu'il y a des peintures et des teintes qui sont très intéressantes dans plein de gammes. Donc, il faut vraiment pas se limiter de ce point de vue-là. Par contre, tu remarqueras que, en fonction de la gamme, les peintures sont plus ou moins couvrantes. Vont être plus ou moins faciles à placer en dégradé. Et d'ailleurs, c'est lié. C'est-à-dire qu'en gros, plus une peinture va être couvrante, moins elle va être facile à dégrader. Parce que plus, en fait, il va falloir jauger et doser la dilution pour la dégrader. Typiquement, moi, j'aime beaucoup en couleur de base utiliser du Games, voire du Prince Auguste. Là où, pour faire mes éclaircies, mes assombrissements, je vais avoir tendance à plutôt opter pour du Army Painter parce que c'est une gamme de peinture qui a tendance à être un petit peu moins couvrante, du coup qui va permettre potentiellement plus d'erreurs et qui va permettre de dégrader plus facilement. Je tiens à souligner d'ailleurs que Julien, lui, de French Wargame, a tendance, il me semble, il vit à peindre pas mal avec du Games par principe parce que, mine de rien, il peint beaucoup de Games. Mais je pense que c'est plus lié à une question d'habitude. On va aller chercher un certain schéma, donc on va avoir l'habitude de ces pots-là. Mais moi, je suis assez. Je suis, voilà. N'hésitez pas, il faut essayer, il faut tenter, il faut surtout appréhender, parce que chaque peinture, en fait, est suffisamment différente pour demander un petit peu plus de maîtrise. Donc là, j'ai fait du coup sur le même procédé que avant. J'ai fait à peu près la même chose sur le deuxième bras, évidemment, puisque la figurine enfin, le but, c'est vraiment de traiter l'ensemble de la même manière. Donc, je vais faire un peu pareil sur le bas des pieds. Donc, j'ai Julie avec moi ce soir. Ça va, Julie? Ça va. Julie va partir en vacances demain. Donc, a priori, peut-être que d'ici la fin de semaine, si vous êtes gentil, je calerai un deuxième live. Parce que, comme ma petite chérie, elle sera pas présente et que je m'ennuierai, du coup, j'essaierai d'être peut-être un petit peu plus avec vous. Ce que je vous propose d'ailleurs, c'est un petit peu de. Faut pas hésiter en commentaire du live, quand le live sera fini, à me dire un petit peu ce qui vous plairait si je fais un live d'ici la fin de semaine. Donc n'hésitez pas à dire si vous préférez le vendredi, le dimanche, le samedi, et moi je verrai un petit peu selon les commentaires, l'envie, la motivation, et je vous proposerai quelque chose si tout le monde est chaud patate. Donc ensuite je vais un peu checker. Donc ah oui, pour les pinceaux, j'utilise quasiment uniquement du Raphael 8404, mais celui-là par exemple c'est du 8402. Et c'est des pinceaux qui sont d'excellente qualité. Faites quand même attention parce que c'est des pinceaux qui peuvent s'user vite. Et du coup, il ne faut jamais mettre de la peinture au-delà de la moitié du pinceau. Il faut faire très attention parce que c'est des pinceaux qui ne sont pas donnés, mais bien entretenus, ils peuvent tenir assez bien. Donc quand je dis bien entretenu, Julie, par exemple, le tien, t'en as un de pinceau 8404, non? Ça fait combien de temps que tu. J'en sais rien parce que je t'empile beaucoup, j'arrive pas trop à me. Ah d'accord. Ah, Je le perds en fait, c'est pas que je... Voilà, c'est plus que je le bah perds. Julie, à titre informatif, elle peint aussi. Et du coup, Julie, du coup, elle peint quand même moins que moi, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir combien de temps tu les gardais. Parce que moi, je peins beaucoup et on va dire que le pinceau, il va me tenir, ouais, je dirais un mois. Oui, mais tout dépend. Tu veux dire combien de figurines en fait, peut-être plus. Tu veux dire Mmh. comme ça? Ouais, peut-être qu'on devrait compter en figurines. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait le calcul, donc je vais pas mentir. J'ai jamais trop fait le calcul parce que c'est vrai qu'au final,
Moi, j'en change quand j'en ressens le besoin. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de. J'en consomme quand même pas mal, mine de rien, alors que je peins pas de ouf. Je sculpte beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je tiens à remercier Julien Kemener qui a fait des magnifiques peintures studio pour l'atelier dernièrement. Qui m'a permis aussi, du coup, de me focaliser sur la sculpture parce que j'ai énormément peint pour le livre. C'est vrai que la sculpture m'a manqué. Et puis, mine de rien, pour Happy Games, les services que je propose, c'est plus de la sculpture ces temps-ci que de la peinture. Et pour ceux qui se demanderaient, ben en fait c'est assez complexe quand même de sculpter et de peindre une figue parce que ça demande du recul et c'est pas simple d'en briller tout de suite en tout cas. Donc là je continue, vous voyez tranquillement avec, si vous voulez ce qui me reste un peu de peinture, vous voyez ici, hein, il me reste pas forcément grand-chose mais ça me permet quand même de commencer à teinter un peu les ombres. J'hésite pas à chaque fois quand je commence et que j'ai beaucoup de peinture, je vais plutôt sur les extrémités. Et sur la fin, quand je commence à plus avoir grand-chose, je vais venir sur les zones sur lesquelles je veux un peu plus préserver mes ombres, mes lumières, pardon. Et du coup, hop, ça permet de teinter, mais très légèrement. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions. Alors, je vais checker un petit peu. Donc, il y a Maed qui me dit hello. Salut Maed, ça fait plaisir. Il y a Radio Galaxy. Pourquoi le 8404 et pas un autre? Qu'a-t-il de spécial? Je vais y répondre tout de suite. Ben Illustrateur qui dit tiens, un petit live sculpture, ça pourrait être sympa. Eh ben ouais, pourquoi pas? En plus, j'ai des idées en ce moment, donc. Alors, le 8404, en fait, il faut savoir que la référence est liée à la longueur de la, du poil. Mais aussi à l'épaisseur de la base. Et en fait, moi, ce que je trouve bien, c'est que la longueur permet toute chose. Donc, je vais pouvoir, en fait, de par le fait que le poil est long, faire des traits assez réguliers juste en faisant des mouvements simples. Et en plus, en appuyant, je vais pouvoir couvrir une surface assez large. Donc, je pense que c'est beaucoup lié à ça. C'est une question aussi d'habitude. Moi, je considère après que plus vous allez avancer, moins il y aura de réponses simples à cette question. C'est-à-dire qu'au début, on peut répondre en disant bah, utiliser du 8404 parce que c'est vrai que c'est une référence qui plaît à peu près à la majorité. Mais au fur et à mesure que vous allez peindre, plus vous allez peindre, moins justement il y aura de réponses simples et basiques à vous apporter. Plus il va falloir que vous cherchiez vos marques, vos repères et que petit à petit vous vous dépassiez. Mais au début, j'ai envie de dire, moi, ça m'arrive de peindre avec des pinceaux Army Painter parce que bah, du coup, c'est quand même assez pratique. Je vous dévoilerai ça incessamment sous peu. Je pense que je vais laisser la primauté à mes Patreons, mais petit à petit, je dévoilerai un petit peu. En ce moment, j'étais en train de peindre de l'orque à 40K parce que ça me déstresse vachement, mine de rien. Parce que c'est brutal l'orque. Et du coup, j'utilise beaucoup d'Army Painter, de pinceaux Army Painter, parce qu'au final, bon, c'est vrai que sinon j'abîmerais trop vite mes pinceaux. Et c'est de la figurine, entre guillemets, de jeu. Moi, je suis venu à la Gurine par le jeu, et ça a toujours été un moteur. Ensuite, j'ai commencé à parcourir les Golden Démons et tout ça, mais à la base, c'était vraiment le jeu, ma première motivation. Et du coup, ça se ressent aussi dans ma manière de peindre, je pense. C'est vrai que j'ai une manière de peindre un peu brutale parfois. Alors voilà, je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de questions, surtout si vous êtes novice, si vous débarquez, si vous n'avez jamais vu de live peinture, enfin, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et si vous voyez que je ne vois pas tout simplement à votre question, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans ce cas-là, il faut juste la reposer et je me ferai une joie d'essayer d'y répondre de la meilleure manière. Comme je disais, donc cela, il va pas forcément couvrir l'entièreté de la peinture, mais au moins les bases pour que vous voyez un peu comment je m'y prends, comment je procède quand je peins. Ces pièces sont, c'est ce que je disais, aussi, au final, ces pièces sont assez agréables parce qu'elles sont très épurées et ça permet vraiment d'appréhender les volumes général d'une façon très agréable. Quand je parle de volume général, très souvent, quand on peint de la figurine, on va avoir tendance tout de suite à vouloir finalement peindre
entre guillemets, les détails. C'est-à-dire, par exemple, chaque muscle indépendamment, chaque doigt indépendamment. Or, ce n'est pas forcément la façon la plus saine de procéder. Parce que, bah, au final, par exemple, l'épaule ici va forcément prendre plus de lumière que le pied en bas. Donc, si je rehausse les doigts de pied, chaque doigt de pied, avec la même intensité de lumière que celle que je mets sur la tête, ça peut être très joli, ceci étant, mais ce ne sera pas forcément le plus pertinent en termes de luminosité. Et du coup, en faisant comme je fais là, c'est-à-dire en écrasant un peu les pieds et en boostant au niveau de la tête, tout de suite, bah, on voit plus le visage. On a des éléments qui, au-dessus, ressortent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ça qu'on va rechercher graphiquement, en fait. C'est vrai que moi, dans ma façon de peindre, il y a un petit côté un peu trash parce que j'essaye de dégager d'abord ces zones avant de rentrer dans le détail. Radio Galaxy, merci pour l'explication. Ben, avec plaisir. Il y a Simon qui dit brutal mais rusé. Ouais, la dernière fois, je lisais le fluff à Julie. Et c'est vrai qu'ils ont un fluff qui est quand même. Hein? Pour t'endormir. Et je trouve que leur fluff est quand même bien sympa. Donc là, je vais revenir un peu avec du Mouldy Clauses. Donc, vous avez vu l'accent américain? Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, je lance le projet du livre, mais en américain. Donc, ça va être lancé d'ici la fin du mois. Beaucoup de gens m'ont questionné. Et c'est vrai que, au final, c'est plus une question d'opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, Lynn, que j'ai rencontré du coup aux États-Unis, s'est proposé de m'aider. On a mis tout ça en place. Et voilà, je sais que c'est un peu embêtant parce que je n'ai pas livré la version française encore. Mais au final, je trouverais ça dommage en fait bah, de passer à côté de l'opportunité de pouvoir le proposer en américain, sachant que eux vont être livrés dans un an du coup. J'ai appris aussi de mes erreurs, c'est-à-dire que j'ai tout de suite décidé de plafonner la date de livraison à un an parce que je sais pertinemment que y a toujours des petites mésaventures, des petits éléments qui font que les projets prennent du retard. Donc maintenant, j'anticipe et puis voilà. Donc là, je commence à poser un peu mon verre. Comme précédemment, je vais le poser un peu de façon brutale. Donc, c'est un troll, il a des espèces de poils, on va dire que c'est de l'herbe. J'hésite pas au début à placer de façon brutale là où je veux vraiment que la couleur soit intense, pour ensuite dégrader. Tout simplement parce que il faut toujours se rappeler d'une chose, il est très difficile d'avoir une couleur intense si cette couleur est diluée. Plus une couleur va être diluée, moins la teinte va être intense. C'est pour ça que j'aime à toujours d'abord poser l'intensité avant de viser ce qu'on pourra appeler la propreté finalement. Là maintenant, je reviens avec de la peinture qui est beaucoup plus diluée, mais avec un pinceau beaucoup moins chargé, hein, toujours pareil, pour créer finalement les transitions sur l'épaule, pour avoir un peu ce côté verdoyant. Quand je donne des cours, quand je fais des sessions peinture et tout ça, un élément qui vient le plus souvent sur la table, et souvent en fait c'est là où on se rend compte qu'il y a un problème, hein, une légère problématique, c'est Ah, dis donc, j'ai pas osé. Beaucoup de gens n'osent pas faire plein de choses en peinture. Et en fait, il faut oser. Il faut oser et il faut se corriger par la suite. On apprend peu de choses en fait. De toute façon, c'est général à la vie. Hein. Là, c'est un conseil du grand philosophe que je suis. Hein. Mais franchement, il faut oser. Il faut y aller. Il y aura forcément des échecs, des choses un peu moins propres que prévu. Mais il y aura toujours moyen de cleaner, de lisser et d'améliorer au fur et à mesure. Ici, par exemple, mon dégradé, je peux le faire partir d'encore plus loin, mon dégradé de vert. Parce que j'ai pas beaucoup de peinture dans mon pinceau. Donc, comme vous le voyez là, hein, par exemple, hop. C'est vraiment très léger. En fait, ça me permet vraiment de doser au fur et à mesure. Comme j'ai deux zones de vert et que j'aime pas quand ça va que par deux, je vais lui faire une troisième zone de vert. Voire quatre, voire cinq. Mais j'aime rarement quand ça sonne pair. Je trouve que ça fait toujours moins naturel, on va dire. Donc, j'hésite pas à vraiment maximiser. Comme ça, sa petite touffe qui lui cache le sexe. C'est marrant parce que sur Gnome et Associés, on a eu beaucoup de critiques sur le fait que la fée était quasiment nue, mais aucune sur le fait que le gobelin et le troll étaient quasiment nus. Alors qu'en fait, je veux dire, techniquement, ils sont tous aussi nus les uns que les autres. Donc c'est vraiment que, en fait, on vit quand même parfois dans une société qui est particulièrement bizarre.
Alors. Alors, oula. Chris, comment choisir un schéma de couleur et choisir le bon pot de peinture? Je suis un peu perdu sur l'étendue des choix. Y a-t-il des couleurs qu'il faut avoir absolument? J'ai envie de dire que, franchement, il faut que tu visualises un schéma de couleur. Un schéma de couleur, comment tu procèdes? Un schéma de couleur, au final, c'est pas si compliqué. Il faut juste se simplifier la vie. Il va y avoir une teinte principale. Cette teinte, typiquement, ça va être la teinte qui va attirer l'œil. Donc, ça va être la teinte la plus claire ou celle sur laquelle tu vas avoir le plus d'éclaircies. Typiquement, sur un barbare, ça va être la peau. Sur un taureau, ça va être l'armure. Sur un Space Marine aussi, ça va être l'armure. Ensuite, tu vas choisir des teintes secondaires. Ces teintes secondaires, elles vont venir en fait et elles vont venir pour appuyer la teinte principale. Et elles seront là que en fait pour faire valoir la teinte principale. Et en fait, tu vas juste utiliser ou des teintes complémentaires, c'est-à-dire opposées dans le cercle chromatique, ou tout simplement des teintes assez neutres. Voilà. Enfin, tu vas avoir tous les petits accessoires et tout ça. Et moi, tout ce qui est petits accessoires, tous les trucs un peu annexes, je vais toujours essayer de les mettre sur encore un cran en dessous. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, là, mon bâton, il va être marron et je vais faire un gros jus de noir dedans. De noir ou d'encre sombre. L'idée, c'est de se dire que c'est des éléments sur lesquels tu ne veux pas nécessairement attirer l'attention. Alors que là, moi, la peau, je veux attirer l'attention. Donc, je vais venir avec du Barbarian Flesh. Et au début, hein, comme je vous l'avais dit précédemment, je ne vais pas beaucoup diluer. Alors, ensuite, je vais regarder un petit peu les questions. Bonjour Mo, salut David. Salut David Zo, ça fait plaisir. Quoi d'autre, Mator? Moi, j'ai un problème avec mes pinceaux en ce moment. J'ai l'impression que se redresse mal. Ah ben, franchement, là-dessus, j'ai pas vraiment de raison. Fais attention à la peinture. Ah, est-ce que tu utilises par hasard, là-dessus, on s'en est rendu compte avec, ben, c'était avec Pierre, des dingues de jeu. Est-ce que tu utilises beaucoup d'encre? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que maintenant, on utilisait des... Enfin, moi, j'essaye d'utiliser des pinceaux différents quand je passe trop d'encre préfaite, games et tout ça. Parce qu'elles ont tendance à abîmer le pinceau, parce que sans qu'on s'en rende compte, elles se glissent en fait sur la base et elles vont avoir tendance en fait à finalement à entre guillemets, bousiller le pinceau au fur et à mesure. Donc j'essaye d'éviter ça. Donc là je viens un petit peu sur le visage. J'espère que c'est assez net pour vous. Bon, moi là le problème c'est que je ne vais pas pouvoir avancer des masses plus pour m'appliquer parce que simplement parce que j'ai la caméra devant la tête et que le niveau d'après je me cogne. Donc ce que je fais c'est que je rehausse les petites zones comme ça avec directement du Barbarian Flesh. Alors je vais vous montrer sur mon pouce là, vous voyez qu'en fait par transparence j'ai très très peu de peinture. Je vais vous remontrer aussi ici tant qu'à faire. J'ai très peu de peinture et en fait je vais venir vraiment la pousser sur les zones de lumière que je considère être le plus intense. Bon, après là, je veux un rendu un peu sympa, donc je vais pas hésiter à booster quand même les lumières, je vais pas hésiter à les pousser sur le centre, parce que finalement c'est là où on veut le plus attirer l'attention. Et je vais aussi, hop, rehausser tranquillement toutes les petites boules qu'il a, toute la petite texture qu'il a à ces niveaux-là. J'ai par exemple j'ai un robot de Gulliman à finir pour un copain. Donc peut-être que c'est sur ça que je vais vous faire le live. C'est vrai que la sculpture, ça me plairait bien aussi. On va voir, on va voir. C'est Julie qui décidera peut-être à distance. Non, je disais, c'est peut-être toi qui vas décider à distance des thématiques des lives Ah que je vais faire. ben, on te regardera en famille. Ah oui, bien sûr. Là, je commence tranquillement, hop, à rehausser un peu partout. Donc, maintenant que j'ai boosté de façon un peu brutale, je vais refaire un peu mes transitions. J'hésiterai pas de toute façon à revenir autant que nécessaire dessus. Mais déjà, on a un petit troll sympathique qui va bien. Il y a Totoche69 Zappa, salut Mo. Sur les figurines Eden, tu t'y joues pas? Merci pour la réponse et bravo pour ton travail. On s'éclate avec mon fils sur Escape V2. Oh, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors, moi, je vais me faire. On va me jeter des cailloux, hein, mais non, je t'y joue pas.
trop la flemme. Et au final, en fait, on a appris à tiger à l'époque des figurines Rackham, c'est vrai. Mais au final, je trouve que dans un sens, ça fragilise autant que ça rend la figurine costaud. Après, je sais que sur Eden, au fur et à mesure, on va essayer de pousser vers de la résine quand les figurines sont un peu lourdes, sont un peu grosses, et du coup, maximiser les pièces en métal quand les pièces sont assez fines, légères. Et du coup, je trouve qu'un bon gros pâté de super glue, quitte à renforcer un peu avec la pâte à sculpter, ça va beaucoup plus vite que de tiger. Après, c'est vrai que le tigeage vous assure quand même une certaine solidité. Donc ça dépend un peu de à quel point vous êtes bourrin aussi. Moi personnellement, non, je tige plus, ça fait longtemps. Et quand il y a de la casse, je recolle, quoi. Mais c'est vrai qu'après, je peux comprendre que certains veuillent à tout prix tiger, prendre le temps de bien préparer. Mais non, c'est pas spécialement mon cas. Après, voilà, je sais que j'ai de la casse de temps en temps. Voire même beaucoup, hein, ça m'arrive, mais bah, je recolle quoi, parce que au final, tiger ça prend un temps fou et au final, je suis même pas sûr que ça arrange tant que ça. Parce que si le jour où ça casse, bah, avec une tige au milieu, ça cassera pas net et à recoller, ce sera la galère. Donc voilà, en espérant que la réponse te convienne. N'hésitez pas à me dire aussi sur quoi vous êtes en ce moment, qu'est-ce que vous peignez. Nico aussi, il y a Nico là, donc Nico Prime, qui se tâte, qui me disait qu'il allait pas tarder à créer une chaîne de peinture. Donc je vous conseille tous de le harceler pour qu'il le fasse, parce que je trouve que ben voilà, il n'y a pas assez de chaînes de peinture. De toute façon, il y a tellement de chaînes de hobby qui se sont développées ces temps-ci que je trouve que c'est génial et qu'il faut continuer parce que ben, ça crée une émulation phénoménale et c'est vraiment des chouettes moments. Donc moi je dis foncez les gars. Et harceler Nico Prime pour qu'il fasse des vidéos. Wooking, salut tout le monde. D'une manière générale, j'ai l'impression que les peintures de games sont tendance à flinguer les pinceaux plus vite depuis le changement de l'ancienne gamme vers la nouvelle. Eh bien, écoute, j'ai tendance un peu à te rejoindre parce que, après, je me demande si c'est lié au fait que la peinture sèche assez vite dans le pot et qu'on a tendance un petit peu à aller taper et aller chercher avec son pinceau dans le pot, ce qui a tendance à flinguer forcément le pinceau. Et je me demande si c'est lié à ça ou s'il y a d'autres raisons. Mais c'est vrai que, bon, au final, les nouvelles teintes games, je n'utilise pas forcément beaucoup, beaucoup. Je les utilise surtout bon, pour des teintes un peu intenses. Il y a vraiment des teintes qui sont sympas. Mais voilà. Donc là-dessus, je préfère pas trop m'avancer. Je pense que c'est presque plus lié au fait qu'on aille chercher. On a tendance à aller chercher la peinture avec son pinceau et que forcément ça a tendance à l'abîmer. Moi je pense que ça vient de là, mais après j'ai pas la science infuse là-dessus. Donc je vais reprendre un peu de vert, je vais revenir un peu. Comme vous le voyez, j'ai tendance à vraiment jongler entre les différentes parties de la figurine. L'objectif est plutôt de laisser le temps à la peinture de sécher pour voir un peu comment ça rend avant de revenir. Donc là j'ai humecté un peu mon pinceau pour diluer un peu la peinture que j'avais dessus. Et du coup, ça me permet de faire les transitions. Et je vais le décharger un petit peu avant de revenir encore un petit peu plus haut pour vraiment essayer de créer ce dégradé au niveau de ces zones. Donc, l'Army Painter est vraiment moins couvrante, mais beaucoup plus intéressante, je trouve, sur tout ce qui est dégradé. Donc, ça va, Julie? Tu t'amuses bien derrière? Ah, je sais que c'est pas facile, hein. En plus, tu pars demain, donc c'est un peu la pression. Après, peut-être des trucs que tu pourras régler à distance, au pire du pire, quoi. C'est vrai que faut mieux partir l'esprit serein. Hein. N'est-ce pas? Hop. Donc, voilà. Alors, dur le NMM, perso, j'ai des petits problèmes car je dilue trop, ou pas assez. Mais j'en ai marre. Alors Mataor, il faut pas se laisser aller petit à petit, ça va aller. C'est juste que voilà, au fur et à mesure, faut peut-être diluer. Ce que je dis souvent, hein, c'est qu'il vaut mieux diluer peu au début et beaucoup à la fin plutôt que l'inverse. Donc n'hésite pas à booster à mort et ensuite petit à petit à y aller mollo. Alors il y a le Samurai Fou. Salut Mourand, super de voir une nouvelle séance peinture. Je me lance à fond dans Dracarys. Y a-t-il des nouveaux projets pour 2019?
Alors, il y a pas mal de choses à venir pour 2019, clairement. Du Dracarys, là, pas tout de suite, mais il y aura peut-être des compatibilités avec quelque chose qu'on sortira l'année prochaine avec Happy Games. Pour le moment, j'attends des nouvelles de Don't Panic. Il n'y a rien de sûr. C'est vrai qu'on a beaucoup poussé avec Happy Games, mais voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le live qui aura lieu jeudi pour poser ces questions qui sont plus liées à Happy Games qu'à Mohand, enfin qu'à moi, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, je dissocie bien les deux entités parce que les gens confondent les deux. Enfin, ce qui est à peu près normal puisque je suis dans les deux structures. Mais c'est vrai que j'essaye de dissocier un petit peu les deux. Faut savoir en fait que moi, j'ai développé plusieurs choses simplement parce que bah, à la base de la base, faut savoir que bah, c'est assez difficile finalement de vivre de sa passion. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu plusieurs cordes à mon arc. On a développé du jeu, on a développé. Et c'est vrai que petit à petit, j'aime à me recentrer sur la créa parce que ça me fait du bien en fait. Et c'est vrai qu'à la base, je suis pas trop, je suis pas nécessairement un bon gestionnaire entre guillemets, mais j'aime bien tout ce qui est créa, nouveaux projets et tout ça. C'est pour ça que j'hésite pas à foncer quand il y a des chouettes petites choses qu'on peut faire. Alors, Loupio Quentin, pourquoi 80? Ben, peut-être qu'en fait, donc Loupio, donc Quentin pose une question concernant la table que fait Ben, qui fait 80 par 60. C'est peut-être tout simplement pour se prendre un peu de marge, pour avoir un élément, des éléments jolis. D'ailleurs, à ce propos, Jacques77 nous a fait une magnifique table que vous pouvez voir sur un des rapports de bataille qui ont été publiés là, sur la chaîne d'Happy Games. Et c'est vrai qu'une belle table de jeu, c'est quand même super kiffant, quoi. Encore merci à lui parce que vraiment sa table est juste magnifique. Là, je reviens un peu au rouge au niveau des mains pour avoir un rouge en fait sur les extrémités encore plus opaque. Ça se voit peut-être même pas à la caméra, mais moi je me suis rendu compte. Je vais prendre un petit peu de café et puis je vais commencer. Alors, il y a Cyril Durand qui demande quand est-ce qu'il faudra régler les frais de port du bouquin. Alors Cyril, si tu l'as pas fait, alors sans pour autant, il ne faut pas s'inquiéter, hein, mais normalement ça aurait dû déjà être fait. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas tout simplement sur Game on Tabletop et tu fais une demande concernant l'art de la miniature. C'est Game on Tabletop qui est la plateforme que j'ai choisie pour remplir ce qu'on appelle finalement le Pledge Manager, le moment où vous payez les frais de port. Si jamais tu vois que ça ne répond pas ou ça met du temps, t'hésites pas, tu m'envoies un message en privé sur Ulule directement. J'étais un peu moins présent et du coup là d'ici la fin de semaine, je répondrai un peu à tous les messages. C'est juste que j'ai commencé à être vachement pris et du coup j'ai un peu moins répondu. Donc n'hésitez pas à insister et moi je vous répondrai le plus rapidement possible. Je pense avant la fin de semaine, je ferai une passe pour répondre à tout le monde de toute façon. Comme ça, au moins, ce sera réglé avant les fêtes, tout simplement. Donc là, je reviens avec un petit peu de rouge, toujours. Et je viens un petit peu marquer les ombres. Donc vous voyez, la figue est vraiment simple, mais c'est vrai que c'est. Ça fait du bien de la figue simple. Donc voilà, j'ai quand même déjà bien avancé. Je vais vous montrer ça. Je vais regarder un peu les questions. Quand tu sculptes, as-tu déjà dans ta tête un schéma de couleur? Quand je sculpte, wow, non, 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 carrément pas. Ça dépend. Quand je sculpte en fait pour la gamme Eden ou pour une gamme existante, j'ai déjà plus ou moins un schéma. Pour la simple bonne raison que la plupart du temps, le schéma il est imposé. Par contre, quand je sculpte de façon générale, non, non, carrément pas, parce qu'au final, si je commence à avoir une vision déjà arrêtée, je me ferme énormément de portes. Donc, j'essaye d'éviter et de laisser venir un peu l'inspi au fur et à mesure. Je vais venir au noir un peu pour la base, pour dissocier un peu la base et commencer
à faire quelques petits éléments. Donc là, il y a aussi la crête que j'aurais pu faire en vert d'ailleurs. Bon, je vais passer un petit peu la crête en vert. Ça me fait chier parce que ça fera 4 éléments. Et comme je le disais, j'aime pas trop les quand ça tombe en paire. Mais ce que je vais faire, c'est que je mettrai un petit rappel de vert aussi sur le bâton. Comme ça fera d'une pierre deux coups. Vous voyez, la pièce est avancée assez vite. Et très rapidement, on a un petit rendu sympa à tabletop sans trop se prendre la tête. C'est le gros intérêt de Gnome Associé, c'est que les figurines sont simples, faciles d'accès. Et du coup, à peindre, c'est un régal et on peut même s'y mettre à plusieurs, en famille, quitte à faire découvrir justement cette passion sympa à nos enfants. Ça, c'est cool. Et du coup, c'est vachement plus accessible qu'un Space Marine lambda ou... par le fait que bah, y a du volume, c'est rigolo, c'est mignon, on a le droit un peu de déborder, les éléments sont pas forcément super définis. Pour ça, c'est pas mal. Donc là, je refais un peu ma transition sur le haut, ça lui fait sa petite crête verte qui va bien. Je vais venir, comme je le disais, au noir. Donc là, vous voyez, ma peinture est assez couvrante, hein. Je ne me prends pas trop la tête. Alors j'aime beaucoup le noir du coup, encore une fois, Army Painter. Je trouve que le noir de Games couvre pas assez. Bizarrement, c'est l'une des teintes de Games qui couvre le moins, alors que c'est vrai que bah, le noir d'habitude, ça couvre énormément. Et du coup, ça me permet en fait de faire la base. Ceux qui regardent un peu mes vidéos, enfin tout du moins régulièrement mes vidéos, savent que bah, du coup, j'ai tendance à faire la base à un moment donné, quand j'avance une figurine, tout simplement pour me rendre compte un peu de l'intensité de toutes des couleurs qui sont autour. J'essaie de pas trop déborder, sachant que je vais quand même revenir derrière sur les pieds pour les assombrir. Comme je vais revenir sur les mains, en gros sur les extrémités de façon générale. Donc là, ça permet d'y voir carrément plus clair, encore une fois. Alors, il y a Chris qui demande à quand un jeu genre Gazland chez Happy Game, je verrai bien une de tes sculptures en voiture à la Mad Max. Eh bien, c'est une bonne question. À un moment donné, on s'est posé la question. Mais pour le moment, c'est vrai que Scrappers qu'on a fait, en fait, bon, je vais parler pour Happy Games alors que je devrais pas, mais parce que c'est pas un live Happy Games. Mais bon, je comprends hein, de toute façon. On a proposé Scrappers et ça a pas tant plu que ça. Donc on va voir pour Gazland. C'est en réflexion. Je pense qu'on va peut-être minimiser les risques et proposer des précommandes sur le site Happy Games, de sorte à voir en fait si vraiment il y a de la demande, parce que en l'état sur Scrappers on a été malheureusement surpris mais pas dans le bon sens du terme. Donc on va laisser venir petit à petit, on va pas trop se précipiter parce que ben, voilà, parce qu'on n'est pas non plus en position de pouvoir prendre trop de risques avec Happy Games. Voilà pour la petite réponse. N'hésitez pas du coup à me poser des questions, mais plutôt orienté peinture. Parce que je serais plus à même de répondre simplement, parce qu'après le reste, on est nombreux à Happy Games, et mine de rien, je suis loin d'être le seul décideur. Hop. Alors, avec le bol que j'ai, ça va partir en plein à cette période. Alors, je ne sais pas ce quoi tu pars, SC2X. Ah, moi, j'ai peut-être loupé ça, mais la livraison du livre est prévue pour quelle période? Je déménage en mars, je ne veux pas la louper. c'est annoncé février-mars, donc effectivement, t'es un poissard. Mais t'en fais pas, ça devrait quand même aller assez vite. De toute façon, on va rester à l'affût, on sait très bien ce que c'est que les livraisons. On va essayer d'être le plus réactif possible, et puis quoi qu'il arrive, on trouvera une solution. Au pire, idéalement, ce que tu fais, c'est que tu fais livrer chez tes parents. Si tes parents restent dans le même coin ou chez quelqu'un qui ne déménage pas. Et voilà, tu fais le changement d'adresse et puis roule les jeunesses, quoi.
pas de raison que ça le fasse pas. Donc là, je reviens avec du noir très dilué, et ça va me permettre, encore une fois, d'ombrer. Donc je l'ai fait sur les pieds. Je le fais aussi encore un peu sur les mains. Donc là, on a déjà un troll qui commence à avoir de la gueule. Après, c'est un peu la règle du 90-10. Hein. C'est sur la fin. En gros, les 10 derniers pourcents vont prendre 90% du temps. C'est toujours... Hein. Mais bien sûr, si j'ai envie de complètement faire une pièce extrêmement aboutie, sachant que là, je la considère déjà pas mal sympa pour une figurine de jeu, ça peut clairement faire le taf. Après, c'est à chacun de voir un peu où est-ce qu'il a envie de mettre ses limites. Sachant que c'est vrai que moi, à un moment donné, il faudrait que je me trouve un setup. Parce que là, le setup, bon, ben, si vous voyez bien tout et tout, c'est cool. Par contre, moi, ça me bloque un peu dans mes mouvements. Quoi. Je suis pas super à l'aise. Donc après, il faudrait que je trouve un moyen d'avoir un setup sympa pour ça. C'est vrai que Julien de French Wargame est super bien équipé. Il faudrait que je lui pique quelques idées parce que vraiment... Il a fait du bien à notre petit hobby, hein, le bougre. Gros big up à lui. Alors, il y a Guillaume Lejeune qui parle de carnation de peinture. Alors, la carnation, alors je crois que ça s'écrit avec pas avec deux S, mais avec un T, il me semble. Mais je suis pas sûr. Fous-toi de ma gueule, Julie. Mais c'est toi qui donne des cours. Non, mais je crois que la carnation, je sais pas, je me demande en fait. Elle se fout de ma gueule. Alors, bon, bref. En tout cas, la carnation, en fait, c'est les nuances de bleu, de rouge qu'on a tous, en fait, au niveau de la peau, qui sont très douces, mais qui sont perceptibles. C'est lié à nos veines, tout simplement, quoi. Et du coup, cette carnation, on va pouvoir plus ou moins la marquer pour la faire ressortir. Et en gros, ça va être des nuances et tout ça. C'est vrai qu'on en entend, enfin, j'entends pas mal ce mot ces temps-ci, mais ça va... En fait, en gros, déjà, il est très difficile de juger d'une carnation sur de simples photos, parce que c'est quelque chose qui va être quand même assez subtil. Ou alors, il faut vraiment des photos en bonne def, assez zoomées, ou sur un buste, ou sur ce genre de choses. Ensuite, il faut savoir que ça va être toujours très léger, très doux, très bien amené. Si c'est trop marqué, bah, ça va avoir tendance à faire un peu bizarre. Et voilà. Bon, en gros, la carnation, ça va être finalement mettre une légère touche de bleu marine foncé en dessous des yeux pour faire la zone un petit peu des espèces de cernes. Ça va être de mettre un peu de marron rouge en réponse à ce bleu marine foncé. Ne pas hésiter aussi à mettre quelques petites touches de violet parfois. C'est tout ça qui fait finalement la carnation d'une peau. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, alors que ouais, c'est quand même quelque chose d'assez fin, tatillon. C'est pas quelque chose qu'on va chercher nécessairement à maîtriser au début, en fait. Au début, on va déjà bien poser ses lumières, on va faire en sorte d'avoir déjà des nuances intéressantes dans la peau, parce qu'il y a plein de types de peaux différents. Et voilà, après, on va aller chercher tout ce qui est carnation et tout ça. C'est vrai que c'est pas, c'est pas d'un niveau. Je trouve pas ça intéressant d'emblée sur des figurines, on va dire de jeu, quoi. On commence à toucher à de la figurine de concours quand on commence à parler de carnation. À mon sens, après, chacun voit midi à sa porte, évidemment. Toi, tu vois midi à ta porte, Julie, toi? Moi, je vois midi à ma porte. Julie, elle aime bien quand je sors des petites expressions comme ça, ça la fait sourire, elle se fout de ma gueule. Dis-le, Julie. J'adore les expressions. Qui? Toi. Moi, j'adore les expressions. Il faudrait faire une compile comme dans tes lives. Et ouais, compile des expressions de merde de mots. Merci, Julie. Je vais enlever le de merde, hein, parce que quand même, faut pas déconner. Donc là, du coup, j'ai bien avancé déjà le petit troll. Alors, il y a Wooking qui dit « Je vois pas mal de peintres utiliser la gamme Scale Color. Le seul pot que j'ai acheté dans cette gamme était hyper huileux, obligé de secouer comme un porc
pour ne pas que les pigments surnagent. T'en penses quoi de cette gamme? Alors les scales, le problème c'est que j'en ai entendu de tout et j'ai entendu tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi en termes d'avis. Hein. Les avis, c'est jamais n'importe quoi. Mais c'est tellement large comme spectre de retour que moi-même, j'ai pas essayé. Et au final, je suis pas sûr que ça me donne forcément envie d'essayer là tout de suite maintenant. Parce que y a tellement d'avis différents que... Là, je reviens avec du Strong Tone de chez Army Painter. Après, c'est vrai que même l'Army Painter, certains se plaignent que la peinture est chiante à mélanger mais, et qu'elle n'est pas forcément très couvrante. Mais j'ai conscience que ça peut être conçu comme un défaut, mais ça peut aussi être vu comme une qualité. Après, si jamais, effectivement, c'est un défaut plutôt de conception au niveau du pot, comme le suggérait précédemment Thomas Ward, je ne sais plus qui, mais a priori, ils ont rappelé des pots, il ne faut pas hésiter à contacter leur SAV. Le SAV donc de Scale 75. Donc, mais j'en sais rien en fait. Donc moi je préfère pas m'engager là-dessus. Tout simplement. Pardon. Des fois j'ai des sursauts de petite musique que me met Julie en tête. Parce que quand je suis pas en live, en fait, faut se rendre compte d'une chose, c'est que Julie chante en permanence. Du coup, je suis un peu triste quand je lance un live, parce que du coup, Julie ne veut plus chanter. Mais peut-être que si vous gueulez, vous demandez tous à Julie de pousser la chansonnette, peut-être qu'elle va se lâcher. Alors, il y a Écu de chêne. Bonsoir les gens, la carnation, c'est quand tu mets des pains dans la gueule des elfes. Ça fait du bleu, c'est ça qui est bon. Avec une chaîne, franchement, tu m'as tué. Et au fait, merci à toi. T'es au taquet, ça fait plaisir. Désolé d'avoir mis autant de temps à t'envoyer la tranche là, du bouquin, mais vraiment, merci à toi pour ton énergie. Un gros merci aussi à Death Jungle Channel au beau David qui m'aide énormément justement ces temps-ci. Donc ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça motivés, déterminés, toujours prêts à filer un coup de pince. Ça fait super plaisir. Alors merci à vous les gars. Je tenais à le dire. Alors je reviens un petit peu avec de l'encre. Je viens un peu tapoter à droite à gauche. Mais là voilà, pour moi le troll a commence à... Voilà. Moi là il est... Enfin plus que commence... Je pense que je ne vais pas tarder à m'arrêter, surtout sur le troll. Parce que mine de rien, il y a le gob qui attend. On va voir si je finis le gob. Il y a Radio Galaxy qui dit une chanson, une chanson, une chanson. Ah non, moi je chante pas. Julie, chante un peu. Oh. Non, vas-y, non. une musique, Julie. Mais non, je ne vais pas chanter. Une chanson. Pareil, Julie. C'est toi qui adore chanter. Non. Et d'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que Julie peint très bien et j'essaye de la motiver aussi pour qu'elle fasse des vidéos sur la chaîne. Donc, pareil, on va essayer de l'emboucaner, la petite Julie, parce qu'elle est super douée. Il n'y a pas de raison que vous n'en profitiez pas. Hein, Julie? En plus, je suis sûr... Ce serait cool, ouais. En fait, on avait fait une première tentative, mais elle a mis ses cheveux devant la caméra et du coup, ça filmait beaucoup moins bien. Ouais, parce qu'en fait j'ai laissé tourner et du coup je me suis pas rendu compte qu'en fait ses cheveux étaient passés. Mais c'est de ma faute. Et du coup, on essaiera de vous faire ça. De toute façon, ce sera bien estampillé Julie sur les vidéos quand ce sera Julie qui fera des vidéos. Parce que, à mon avis, vous allez être bluffés. Dernièrement, c'était quoi la pince que t'as peint? La dernière. C'est rouge. Ah, c'est... Non, t'es malade. Il y a aussi le. Parce qu'elle sculpte aussi. Oui, cette femme sait tout faire, je sais. Et elle a sculpté du coup l'édition limitée de Bonhomme de Neige. C'est elle qui a fait le gros Bonhomme de Neige. Oogie. Qui s'appelle Oogie. Et les cadeaux aussi. Et les petits cadeaux. Et les petits cadeaux du Bonhomme de Neige. Et franchement, c'est déchiré. C'était magnifique, Julie. Merci. Je suis fier de toi. Et du coup, en fait, voilà. Donc, elle se lâche, elle fait des trucs de ouf. Et là, la dernière fois, je lui dis, mais attends, mais. Toi aussi, tu vas faire des vidéos. Elle m'a dit oui, mais après, elle a mis sa tête devant. Elle a mis ses cheveux devant la caméra. Je la soupçonne d'avoir fait exprès. Donc là, je rehausse avec quelques petites pointes de blanc encore à droite à gauche. Il y a Quentin qui dit « Elle peint en live à Octogone et veut pas peindre en vidéo. » Eh, c'est vrai, tu te rappelles à Octogone? Ouais, mais je ne connais pas. Je leur dis que
C'est pas moi la star. Ouais, c'est ça. C'est toi la star. C'est juste que tu le sais pas encore. Alors ensuite, il y a Jonathan Thénault qui dit « Trop belle la figue ». Merci beaucoup, c'est gentil comme tout. Bah, après, bah, les... enfin, là, ça fait combien de temps ? Je pense que le live va durer, je pense, une bonne heure. Mais là, je sais pas combien de temps on est rendu. Ça doit faire... On n'a pas commencé il y a si longtemps que ça. Hein. Je vais essayer de regarder. Alors, ça doit, ça fait... Bah, j'en sais rien. C'est ça que c'est rigolo avec Facebook. Avec YouTube. Bref, je sais pas combien de temps ça fait la vidéo. Bon, bref, on s'en fout. Ça doit faire, je dirais, 20 minutes, 30 minutes. Qu'on est, donc, ça fait 20 minutes, 30 minutes que j'avance. Et, ah non, ça fait une putain d'heure, en fait. Pardon pour le putain. Mais ça fait une heure, quand même. Mais tu l'as fini, ta figurine ? Là, ouais. Donc, voilà, c'est une heure. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Une heure, une figue. Bah, elle est pas, ouais, elle est pas finie finie, mais on va dire que oui, les grandes lignes sont faites. Là, ce que je fais, c'est que je mélange. Mais t'as commencé par celle-ci. Ouais, elle est tellement plus agréable. Donc, si vous connaissiez pas Julie, voilà Julie. Et la caméra, elle est là. Elle est là. Salut. Non, mais moi, je suis trop timide. Pourquoi? Bah, tu viens de dire salut, c'est trop tard maintenant. Oui, je sais, c'est trop tard. Ça y est, t'es sur le net. Donc là, je rehausse un petit peu les walps, les petits poils de yuck. Et voilà, c'est vrai que je n'ai pas envie de pousser beaucoup plus loin. Qu'est-ce que t'en penses, Julie? Souvent quand Et les yeux? Ouais, faut... Un peu les yeux. Ouais, si, faudrait, ouais. Faudrait, mais pour ça, il va falloir... Fais un peu d'expression et bim, c'est fini. Qu'est-ce qu'elle est forte, ça, Julie. Donc là, je rehausse un petit peu les poils à droite, à gauche. Putain, le temps est passé quand même assez vite, je trouve. Non, mais je pense que ce que je vais faire, plutôt que de me tirer la bourre, c'est que là, on va pas forcément, enfin, on va pas forcément tarder beaucoup, beaucoup plus tard. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on se refasse un petit live de derrière les fagots. La seule question, c'est quand. Mais ce sera un peu le live de Noël, je pense. Donc voilà, faut que vous me disiez. Moi, ça me fera super plaisir. Après, à voir si je fais ça tout seul ou si j'invite du monde à l'atelier. Si vous êtes sur Paris, bah dites-moi, à la limite, on peut peut-être s'organiser ça. Peut-être d'ici là, ouais, idéalement d'ici la fin de semaine, parce que lundi, je pars un peu dans le sud, dans ma famille. Donc, je serai plus présent sur Paris, mais je pense d'ici peut-être, d'ici dimanche, ça doit pouvoir être jouable. Donc là, je reviens un petit peu avec de nouveau du blanc. Ouais, mais les yeux, tu vois, j'ai passé une encre qui ne sèche pas, qui n'a pas encore bien séché. Au final, j'ai pas touché au gobe, honte à moi. C'est pas grave, je le ferai sur un prochain, une prochaine vidéo. C'est vrai que le troll me plaît bien. Je pourrais toujours atténuer les petits points de blanc que j'ai placés par la suite, sans souci. Alors, il y a Jonathan qui dit qu'il peut être là, ben why not? Qu'on a. Alors, Thomas Nissé, maintenant qu'on a vu Julie, une chanson. Tu vois, je t'avais dit. Il y a Guillaume qui dit ouais, en 60 minutes, va mettre des branlées sur French War Game Studio pour les battles de peinture. Ah, Guillaume, oui, avec plaisir. Mais pour le moment, je pense que. Je sais pas, il faudra que je voie avec Julien, de toute façon. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu. Donc, j'essaierai de voir avec lui ben, la prochaine fois que j'y passe. J'essaierai de mettre des piquettes. Y a Mateur qui dit, tiens, une petite question, hormis Eden, les jeux games, joues-tu ou peins-tu d'autres choses? Ouais, je joue, franchement, je peins de tout. Et j'aimerais jouer à tout, mais j'ai pas le temps, en fait. Mais c'est vrai que là, par exemple, je me prépare une petite armée d'or que j'espère jouer, même si je sais pertinemment que je vais jouer une fois et que ça va me saouler. Mais c'est vrai que je reviens... Il y a Shed Spire qui me fait vachement de l'œil. Je me peins un petit peu aussi de pièces pour ça. Bref, j'aime vraiment jouer. J'aime vraiment un peu tous ces univers-là. Donc, après, j'essaie de me faire plaisir dès que je peux, quoi. Donc, c'est vrai que je suis pas du tout... là-dessus, je joue à tout. Là, j'ai testé aussi un jeu de cartes, Keyforge. J'ai du mal pour le moment, c'est par le créateur de Magic, et au final, c'est vrai que j'en attendais beaucoup. Je trouve le principe super sympa,
Mais j'ai pas réussi encore à vraiment me rendre compte si j'aimais le jeu ou pas. C'est bizarre comme truc, mais c'est comme ça. Ça va, Richard? Ouais, tranquille. On peint. Ouais, toi, tu fais quoi? Moi, je fais de la mise en page. De la mise en page et du graphisme. C'est beau. Donc là, je reteinte un petit peu au rouge, à droite, à gauche. Bah, c'est ce qu'on pourrait appeler la carnation d'un troll, hein, dans un sens. Ça me permet de booster un petit peu mes ombres et d'avoir quelque chose d'un peu plus péchu en termes de rouge. Effectivement, une heure, une figue, c'est pas mal, mais c'est difficile de faire mieux quand même. En une heure. Bah après, je pense que c'est possible, mais faut bâcler, quoi. À voir, je verrai pour le prochain. Il y a Oreg Gage qui dit c'est sympa en live, on voit comment le contraste avec le blanc, ça change tout. Sans être réducteur, évidemment, sur le travail de la figue. Bah, je suis assez d'accord, au final, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller. Et oser, c'est la base pour vraiment réussir aussi à débloquer les choses. Et voilà. Quitte à ensuite atténuer. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent d'aller un petit peu trop loin, de revenir atténuer, d'adoucir. Ça peut être très intéressant, quoi. Il vaut mieux ça plutôt que de se fermer et. Parce que si on n'ose pas, bah souvent on a un résultat qui est mitigé et qui n'est pas forcément parlant. Alors que si on ose, on est sûr au moins d'avoir un truc qui ressorte vachement. Quitte à ensuite, encore une fois, atténuer, adoucir et tout ça. Donc là, hop, je tapote à droite, à gauche. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent pour ce live. Mine de rien, on aura été une centaine tous ensemble à peindre des petits Ils pitous. sont nombreux, Bah ouais, carrément, c'est cool. Et du coup, je pense que le prochain, je sais pas quand est-ce que ce sera. J'espère évidemment bientôt, hein, mais j'ai du mal à me décider. Cette semaine, ouais, je pense que je serai plus à même de peindre que la semaine précédente où j'étais dans la paperasse jusqu'au cou. Mais je pense que ouais, je pense que la semaine prochaine, enfin la fin de cette semaine là, je vais pouvoir bien m'éclater. Surtout que bah après semaine prochaine, repos complet. J'espère que je vais réussir à pas toucher un pinceau. Mais je crois pas non plus. Mais voilà. Et ensuite, on reviendra en forme pour l'année prochaine. Donc là, je viens hop, mettre quelques ombres de plus. Je vais tranquillement un peu regarder les questions que vous avez, faire une dernière passe pour vous répondre gentiment, tranquillement et sereinement. Et puis on va tranquillement rendre l'antenne. En espérant aussi que Julie ait fini le taf parce que sinon elle va encore me faire rester au bureau jusqu'à pas d'heure. Oh merde. Pardon. Voilà, vous voyez un peu. Quand même, mais des petits coups de pression. Quoi d'autre? Alors, des petites. Alors, Crixou, je sais que c'est un live Mandart, mais juste pour dire, je viens faire mon pledge manager de Noël. Encore bravo, j'ai hâte de voir tes tutos de peinture. Merci Crixou, ça me fait plaisir. Et puis merci à tous, parce que c'est vrai que ça nous a fait plaisir de voir que bah, Eden plaisait encore énormément et tout ça. Forcément, au sein de la team, on s'est posé pas mal de questions cette année. Et du coup, on est heureux d'avoir vu cette franche réussite. Ça nous a conforté. Thomas Nissé, franchement, un rapport de bataille sur French Wargame Studio avec tes orques. Eh bien, écoute, ce sera avec plaisir. C'est quand même compliqué. Mais why not? J'en parlerai. Et puis après, j'aurai peut-être pas assez d'orques parce qu'il en faut des quantités phénoménales des orques. Ensuite, il y a Arnaud qui dit tu es un mordu. Merci, ça fait plaisir. Ton blanc, c'est quelle gamme? Alors là, j'utilise du blanc trocolore parce qu'en fait, j'ai plus d'ivoire. Honte à moi, mais j'ai épuisé les stocks. Voilà. Il y a Nico qui dit une partie, tes orcs versus mes Space Wolf. Ben moi, je serais ravi. Why not? Franchement, why not? Ça me ferait très plaisir. Alors, écu de chêne, un léger glacis jaune, ça donnerait pas du peps à toute la figurine. Wow. Peut-être.
Je m'essaierai pas à ça quand même. Hein. Franchement, je m'essaierai pas à ça. Ça risque de faire très bizarre. Mais why not? J'ai à essayer, mais ça peut tout autant tout flinguer. Donc, je t'avoue que là, comme ça, je sais pas. Il y a Guillaume Codo qui dit bonjour. Ben, bonjour à toi, bonsoir même. Du coup, tu arrives un peu sur la fin du live, mais n'hésite pas si vous avez des questions. Je vais prendre un petit bonbon pour tenir le choc. C'est quoi comme bonbon? C'est des Lucky qui piquent. C'est des bubis. Non, passe pas, toi les bubis. Je dis pas les bubis, c'est les bubis. C'est trop bon ces merdes. Et ça. Et ça, merci. Tu prends toujours les meilleurs. Du poulet. Hein? Du poulet. En fait, j'aime bien les langues dures là. Non, mais on en a plus. Bon, ça alors. Excusez-moi. Du coup. Il y a David Darbus qui veut un bonbon. Merci beaucoup Guillaume. Ça fait plaisir de lire que je fais un super travail. En tout cas, on y met beaucoup d'énergie, de cœur. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs. Donc du coup, je vais continuer sur le gob, puisque Julie n'a pas fini. Donc on va dire que le troll est fini. On va boire un peu de café. Et puis on va continuer. Peut-être pas jusqu'au bout de la nuit, mais bon. Julie, tu veux que je t'envoie la com aussi pour que tu puisses regarder ça ou tu penses que tu vas être trop juste de toute façon? Je vais être juste, mais on voit quand même. Comme ça, je l'aurai par mail quand je partirai. D'accord. Alors, excusez-moi, du coup. On fait nos petits micmacs avec Julie. Alors, est-ce que je vernis mes figurines? Pas forcément. Non, jamais en fait. À quoi que si, les orques, j'en ai. Je m'en suis occupé sur quelques-uns. Je m'en suis occupé, mais dans quel ordre déjà? Je me rappelle même plus. Purée, à chaque fois je zappe. En fait, la seule bombe que j'utilise, c'est le vernis Talence pour tableau. Et c'est un vernis qui est vraiment qui est vraiment génial et qui est très mat. Et je me rappelle une fois, Shrek, d'ailleurs l'entre-deux Shrek, n'hésitez pas à aller regarder sur Facebook, il fait de superbes choses. En fait, Shrek avait récupéré des orlocs de alchimie qui étaient super brillants grâce à ce vernis qui est franchement magique, qui est à la base donc un vernis Talence en bombe et qui fait vraiment des miracles. Donc n'hésitez pas à aller voir, aller jeter un coup d'œil à ce type de vernis. C'est vraiment la solution à tous vos problèmes si jamais vous en avez marre d'abîmer vos figurines. Quoi d'autre? Alors, vernis mat Talence, il est excellent. Eh ouais, je confirme. Alors, radio connexion, bon vernis mat. Voilà, ça c'est fait. Bonsoir les peintres. Bonsoir Kergamel 1. Kergamel, c'est pas mal. C'est pas loin de Gargamel aussi. Je sais pas si c'est lié, mais voilà. Alors, du coup, on va repasser un peu sur le gobelin. Alors, le gobelin, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à les faire un peu comme mes gobelins games. Et en fait, j'hésite pas. Moi, j'aime bien faire la tête des gobelins aux couleurs chair un peu rosées. Toute mon armée de gobes est comme ça. Comme je disais, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partager un peu plus sur mon Facebook parce que là, ces temps-ci, j'ai pas beaucoup partagé. J'ai été vachement accaparé sur de la paperasse, hein, comme je disais. Mais là, je vais pouvoir de nouveau un peu, de nouveau partager un petit peu mes petits tips et tout ça. Je me rends compte que c'est pas mal le mardi, vous êtes assez nombreux.
Ça fait plaisir à voir. Après, à voir bah, pour l'autre jour, je sais pas, pour la fin de semaine, un peu dites-moi ce qui vous plairait le plus. Puis moi, de mon côté, je vais voir ce que je peux faire, en fait, tout simplement. C'est vrai que, comme je disais au début de la vidéo, Julie nous laisse à partir de demain, donc je risque de me faire un peu chier parfois en soirée, et du coup, je serai potentiellement plus dispo pour vous faire des petits lives. Je voulais aussi faire un live spécial pour mes Patreons, donc je vais voir si je peux le caler cette semaine. Et puis voilà, tranquillement, voilà, on va avancer. Alors, je tenais à dire aussi pour le livre, ce que je vais faire, c'est que bah, tous les gens qui ont soutenu via Ulule recevront de façon régulière, en gros, un petit PDF d'article. Et au début, je vais commencer avec toutes les 2 semaines, j'espère, quelque chose comme ça, à envoyer quelques articles de peinture avec la vidéo exclue qui va bien, en espérant que ça fera tranquillement patienter tout le monde. Merci encore à tous pour votre soutien. Ça fait plaisir. Je reprends l'accent du sud en prévision de ma descente dans le sud, justement. Donc le gobelin de gnome associé, il est plus petit, hein, déjà, c'est un gobelin. Mais du coup, pareil, il est pas mal parce qu'il est très simple, très épuré. Et voilà. Et c'est vrai que c'est. C'est ma première sculpture 3D avec le troll. Donc c'est assez intéressant aussi à voir. Je me suis fait former par Fauzi. C'était le directeur. Directeur artistique sur Blood Bowl à l'époque de Cyanide. Donc Cyanide qui a fait Blood Bowl, les jeux vidéo tirés de la licence de Games, quoi. Et du coup, c'est lui qui m'a formé à la 3D. C'est un mec assez extraordinaire, adorable comme tout. Et très doué. Bah, c'était au tout début, hein. C'était il y a longtemps. On venait de se rencontrer, Julie, tu t'en rappelles? Oui, je me souviens, mardi soir, cours de Ah, sculpture 3D. c'est ouf. Et c'est vrai qu'il faut que je m'y remette d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas sculpté en 3D. J'ai quand même une petite préférence pour le tradi, je crois. Mais après, c'est une question de temps aussi, vu que se faire former, ça prend du temps. Ben forcément, en tradi, je suis plus à l'aise. Mais c'était super agréable de se rendre compte qu'au final, la 3D, ouais, c'était pas si compliqué que ça. En fait, quand on a déjà sculpté en tradi, en gros, c'est juste apprendre l'outil. Finalement, c'est plutôt intéressant. C'est pas si contraignant que ce qu'on peut imaginer, au contraire. Du coup, on réapprend juste. Mais c'est vrai que de l'avis du coup de mon formateur, en fait, c'était vachement plus simple d'apprendre à un mec qui sculpte déjà en classique, parce que c'était beaucoup d'apprentissage de raccourcis clavier, d'outils, on n'était pas dans le fait de faire tourner sa pièce en sculpture. Il y a deux, trois petits trucs à apprendre en sculpture et que j'avais déjà acquis à travers la sculpture tradie, quoi. Donc plus c'est petit, en théorie, plus c'est rapide à peindre. Donc, on va voir si la théorie survit à la pratique. Mais clairement, je pense pas que ça va me prendre beaucoup de temps à peindre ce petit gobelin. C'est vrai que le gobelin est, ouais, pareil, assez simple. Pas trop prise de tête. C'est ça que c'est bon. Comme dirait l'autre, c'est ça que c'est bon. Je sais pas qui dit ça, mais c'est l'autre. Alors, Guillaume le Jeune, c'est un peu comme l'aérographe vis-à-vis d'un peintre pinceau. Alors, oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est pas ouais, le raccourci est quand même rapide, mais c'est vrai qu'au final, ouais, c'est assez proche. C'est pas faux. Et du coup, globalement, franchement, c'était plutôt agréable. Après, l'aéro,
Il y a quand même. Si, ouais, c'est la même chose. Parce que c'est vrai que qu'à l'aéro, au début, on tâtonne. C'est vrai que ça s'apparente vachement. Ouais, c'est très proche, t'as raison. Bien vu le parallèle. J'avais jamais fait un peu le rapprochement, mais. Ouais, après, il y a un truc. C'est que moi, je dissocie pas vraiment l'aéro du pinceau. C'est-à-dire que. Pour moi, il va pas y avoir un travail uniquement à l'aéro, ça va être aéro et pinceau. Ou alors, ça va être pinceau tout seul. Mais il n'y aura jamais de travail purement et simplement et uniquement à l'aéro. Pour moi, c'est un non-sens, c'est pas très. Je trouve que ça. C'est pas très malin de vraiment se concentrer et faire uniquement de l'aéro parce que ça se voit trop, je trouve. Et du coup, on perd en intérêt. Quand on se concentre uniquement sur l'aéro, parce que sans les finitions au pinceau, ça a quand même tendance à donner des choses qui sont bah, très jolies, très lisses et tout ça, mais un peu fades. Un peu fades parce que bah, on va pas pouvoir avoir le trait de pinceau super contrasté qui va bien, qui va faire en sorte que le tout pète bien sa mère, quoi. Donc il faut, pour moi, l'aéro va pas sans pinceau, alors qu'à contrario, la sculpture tradie, bon, en gros, je sais où je sculpte en tradie, où je sculpte en 3D, mais je mixe pas forcément les deux méthodes. Pour ainsi dire, jamais. Jamais mixer les deux. Après, c'est une question de contrainte aussi, de temps. L'aéro et le pinceau, les deux se prêtent parfaitement au fait de gagner du temps. Alors que c'est vrai que la sculpture 3D et tradie, si je devais cumuler les deux, ça me ferait perdre du temps. Donc au final, c'est vrai que je fais ou l'un ou l'autre. Encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de 3D et ça me manque énormément. Faut que je m'y remette. J'ai fait aussi le bout des pieds quand j'ai basé le socle en noir. Donc encore une fois, le socle en noir, je le fais toujours à un moment où en fait je vais avoir besoin d'y voir un peu clair. Pour continuer pour voir jusqu'à où je vais dans mes éclaircies, jusqu'à où je vais dans mes assombrissements. Je t'ai envoyé les textes, au fait, Julie. Comme ça. Du livre? Oh, what? Non. Le texte de quoi tu m'as envoyé? Les Ah, textes très de. bien, ok, parfait. D'ailleurs, le livre, t'as pu séparer comme demandé? Tu t'en occupes après? Donc là, je reviens avec la couleur chair. Donc, j'étais revenu un petit peu avec du rouge. Hein, j'avais fait quelques jus. Puis là, je reviens un petit peu avec de la chair, du coup. Rehausser pour booster encore mes éclaircies. Donc là, les pièces sont même pas préparées, hein. C'est très brut de décoffrage, mais le but c'était vraiment de montrer comment je m'y prends pour aller vite, pour rapidement peindre les petites pièces. J'aime bien faire le bidou en rose aussi, je trouve ça très bien. N'empêche pas de pouvoir, je peux toujours cleaner les dégradés, encore une fois. N'oubliez jamais le principe de base qui est plus je vais, si je veux du contrôle sur ma peinture, plus je vais diluer cette peinture, moins ma peinture va être chargée sur mon pinceau. C'est-à-dire que moins je vais avoir de peinture sur mon pinceau. C'est ce qui va me permettre de garder le contrôle. Donc là, par exemple, ma peinture, elle est plutôt bien diluée. Et j'en ai très peu sur le pinceau. Donc là, je vais revenir avec un vert beaucoup plus flashy. Et je vais pas hésiter parfois quand les couleurs sont peu couvrantes. Donc j'ai deux options. Si elle est peu couvrante, je peux rajouter du blanc. Ça va rendre la peinture un peu plus opaque, mais ça va un peu la désaturer, c'est-à-dire la ternir. La peinture sera un peu plus terne, moins flashy. Ou alors tout simplement, je peux aussi tapoter la peinture. C'est-à-dire que plutôt que de venir la pousser dans un sens ou dans l'autre, je vais vraiment venir hop, la tapoter comme je le fais là sur les petits plis qu'il a sur le bide. Donc les deux sont possibles. Il y a aussi une autre option qui est simple, c'est de venir avec de la peinture mélangée avec du blanc qui va permettre d'avoir une peinture plus intense. Donc, je vais vous montrer. Quitte à ensuite la rebooster en revenant faire un filtre de vert. C'est des petites magouilles pour vraiment réussir à avoir. L'intensité qu'on veut, où on veut, tout en gardant une bonne luminosité. Après, n'oubliez jamais, plus vous allez ajouter de noir ou de blanc à une teinte, plus
plus celle-ci va perdre en intensité. Donc elle va être un peu plus terne. Donc après, ça va être. Ça va à chaque fois être un petit peu. On va jongler finalement entre les différents éclaircies. Mais là, déjà, en très peu de temps, on réussit à avoir un résultat à peu près correct sur le gob sans trop se prendre la tête. Ce qui est bien parce que du coup, ça permet vraiment d'aller au bout des deux gurines. Bon, évidemment, je vais pas trop pousser, mais ça permet quand même déjà de se faire une petite idée. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe en commentaire tout en buvant un peu mon café froid. Je sais pas s'il y a encore du café chaud, Julie. Je pense pas. Oh, dommage. Tu dis ça pour pas m'en donner, c'est ça? Non, mais là, moi, je trouve qu'il fait bon, en fait. Toi, tu trouves qu'il fait froid, sans déconner? Ben là, j'ai les mains qui sont bien fraîches. Ben, vas-y, allume le chauffage. Enfin, allume le chauffage, hein. On va pas te geler les miches. Pour rien. Alors, Harlock, pourquoi pas une vidéo sur la 3D? C'est une bonne idée, pourquoi pas. Guillaume Lejeune qui dit c'est un peu comme l'aéro... Alors, sans les finitions pinceau, on ne peut pas donner d'effet de texture, pelage, chevelure. Ben non, on ne peut pas parce que c'est trop fin en fait. Après, on pourrait se lancer le défi de... Mais je trouve que se lancer des défis comme ça, à un moment donné, c'est un peu... Une perte de temps en fait. Quand c'est si simple de le faire au pinceau, pourquoi se faire chier à se lancer des défis, quoi. Ben après, c'est le principe d'un défi. C'est pas forcément un besoin. On crée un challenge, quoi. Mais ouais, je me sens pas de courir après ce genre de choses-là. Je préfère largement m'éclater sur une pièce, essayer de la créer de A à Z. Ça me fait vachement plus triper que de simplement essayer d'aller super loin avec l'aéro. Voilà. C'est une question de goût et de plaisir, et je pense que chacun doit y trouver son compte. Après tout, la figurine, c'est un chouette espace justement de création où chacun peut aller au bout de ses conneries et au bout de ses envies. Donc je trouve que c'est cool, quoi. Donc franchement, s'il y en a un qui est chaud pour tout faire à l'aéro jusqu'au bout de l'œil, je lui dis, mais vas-y, mais fonce, quoi. Fais-toi plaisir. Mais moi, c'est pas mon truc. Et heureusement que c'est un espace encore libre. Donc, sur la sculpture 3D, c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas. Franchement, j'ai énormément de mal à me décider sur... Déjà, est-ce que vous êtes chaud pour un deuxième live dans la semaine? Parce que ça va peut-être vous faire beaucoup. Et ensuite, quel jour de la semaine? Et après, voilà, on va rentrer un peu dans le détail au fur et à mesure, mais... Ça, en tout cas, ça pourrait être cool. Ça pourrait être chou. Ça pourrait être super cool. Normalement, je devais aussi reprogrammer quelques cours pour le début d'année prochaine. Mais j'ai pas pensé à le faire encore. Je vais mettre ça en ligne, un de ces quatre. En tout cas, n'hésitez pas à me demander de toute façon sur Facebook. Là, je reteinte un peu de vert à droite à gauche. Vous voyez, le dos, je l'ai beaucoup moins travaillé. Ça, c'est mon petit côté gros flemmard. Ça a toujours été comme ça. Franchement, j'ai trop la flemme de peindre la totalité, surtout quand c'est une figurine de jeu. Ne me jetez pas des cailloux. Par contre, j'ai paumé mon bleu marine foncé. Ah, il est là. Ouais, mes peaux sont dans un sale état. Donc là, je vais prendre du bleu marine foncé pour la crinière. Parce que je pense que je vais comme ça me permet de l'ombrer facilement, on va dire. Je vais vraiment, hop. Vraiment diluer fort fort et vraiment pas hésiter à pousser.
En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je ferai tout mon possible pour répondre. Comme je le disais, même si vous n'êtes pas spécialement habitué au live peinture ou ce genre de choses-là, n'hésitez pas à prendre la parole en commentaire pour aussi me dire bah, comment vous avez découvert la chaîne, pour dire sur quoi vous êtes en train de peindre en ce moment, qu'est-ce qui vous fait kiffer, bref, la totale, quoi. Je pense qu'on va lancer aussi un CDA, on y réfléchit avec un CDA un peu officiel à Happy Games Factory sur du Eden pour motiver aussi les gens à se lancer dans ce petit jeu sympa. Donc on va voir à lancer ça pour le début janvier. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe, sachant que du coup ce sera moi qui m'occuperai du débrief complet de fin de CDA. Sorte à vraiment donner à chacun les points à préserver et ceux à améliorer. Parce qu'il y a toujours des petits axes d'amélioration qui sont sympas, peu importe le niveau de chacun, et je pense que c'est ce qui nous permet d'évoluer, de progresser. L'essentiel, c'est la dilution. Après, souffler à un bar, c'est juste de l'entraînement. Quant à inversion grotte rupestre, je suis sûr d'être assez précis. Peindre sur une table vibrante pour que Moandre ressente ce que vivent les hobbyistes qui tremblent quand ils peignent, ce serait un défi rigolo. Ah ouais, ce serait sympa. En plus, la dernière fois, je me suis surpris à me demander si je tremblais pas un peu. Et au final, peut-être quand j'ai bu beaucoup, beaucoup de café. Ça me fait penser un peu à encore un peintre hyper talentueux. Hein. Si vous ne connaissez pas Dark Iron Studio, donc Sébastien Lavigne, qui en plus d'être extrêmement talentueux est quelqu'un de super sympa. Et allez vraiment voir sa page Facebook, ce mec est un tueur. Et au final, j'ai l'impression qu'il tremble un peu. Alors qu'il peint, mais comme un dieu, quoi. Putain de doué le salaud. Et je crois qu'il tremble un petit peu. Mais au final, je crois qu'en fait, voilà, on peut trembler un peu et peindre comme un tueur. C'est comme ça. Il sera d'ailleurs présent au Happy Factory Day. On va balancer la liste des peintres qui seront présents au Happy Factory Day. D'ailleurs, il y aura le petit concours des Vlad d'Or. C'est un peu nos golden démons à nous. Et c'est en région parisienne les 2 et 3 février. Si vous voulez participer, les billets sont déjà en vente sur le site Happy Games Factory. Donc je serai présent, il y aura des sessions de peinture, il y aura des tables sur lesquelles les peintres pourront aussi se poser, prendre des conseils des pros qui seront présents, hein, parce qu'il y a vraiment des belles pointures qui seront présentes. Et voilà. Donc là, je reviens un peu. Moi, je trouve que j'ai un petit peu trop marqué au noir par endroit. Mais vraiment, ça me permet un peu d'écraser la crinière, hein, parce que je voulais pas que ça ressorte comme ça. Et voilà pour le petit gob qui va bien. Donc ça m'aura pris une petite demi-heure. Alors, il y a Totoche qui dit « Avec quoi tu assombris le bleu ?» Et même question avec l'éclaircissement. Pourquoi tu utilises peu d'encre ? Alors, j'aime utiliser des encres. C'est juste que en gros, ce qu'il faut se dire, c'est... Je peux pas en fait utiliser plein de méthodes différentes sur une seule figurine. Donc je vais essayer, là par exemple au début j'ai posé une encre et ensuite j'ai éclairci au fur et à mesure. Le truc de l'encre, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais utiliser une encre pour écraser toute une zone. Du coup en fait ici j'ai plutôt privilégié le fait d'écraser seulement certaines zones sur lesquelles je suis presque pas revenu en fait, et sur lesquelles en fait finalement seul le premier passage d'encre est visible. Donc j'utilise des encres, mais pas toujours. Pour le bleu, ce que je fais, c'est que ça dépend du bleu en fait que tu veux. Avoir un bleu neutre, au final, c'est pas un bleu qui sera très claquant. Mais moi, j'ai tendance à pousser jusqu'au turquoise, parfois, sur certaines zones, et ensuite, dans ce turquoise, mettre une toute petite pointe de blanc. Parce que ça va me permettre d'avoir un bleu qui pète vraiment fort. Enfin, qui pète fort. Quand je dis ça, je pense à Julie derrière, je me dis qu'elle va faire une blague vaseuse, mais en fait, elle est tellement concentrée sur son taf. Mais je vais plutôt essayer d'avoir toujours quelque chose d'assez clair, quoi. Typiquement, là, je peux très bien proposer de faire un tatou ici, là, sur le bras. Et en fait, je trouve que
Un beau turquoise, ça pète vachement plus. Et quitte à revenir après légèrement à l'ivoire. Et en fait, après, ce turquoise, on peut l'assombrir tout simplement en ajoutant du bleu marine foncé qui va fortement le ternir. Ou, enfin bref, il y a autant de façons de peindre le bleu que de peindre n'importe quelle couleur. Ça peut être très complexe. Sur la chaîne, d'ailleurs, je peins un primary sans bleu. Il me semble qu'il y a une vidéo qui est disponible. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil pour voir si c'est vraiment le type de bleu qui t'intéresse. S'il y a un autre type de bleu qui pourrait t'intéresser plus. Donc, on est assez ouvert. Enfin, je suis assez ouvert justement à l'échange là-dessus. Faut pas hésiter à poster. Mais il y a quelques figurines déjà peintes en bleu. Donc, faut pas hésiter. J'en profite d'ailleurs pour faire le dessous un petit peu des yeux en bleu. Parler de carnation, hein. Donc, voilà, bon, évidemment là c'est un peu exagéré, mais vu que c'est un gobelin, on s'en fout. Tout de suite, ça répond assez bien. Donc ça c'est pas mal. Alors, Guillaume le Jeune, avant que j'oublie, merci de prendre de ton temps pour me répondre et pour partager avec la communauté. Eh bien merci Guillaume le Jeune, eh bien, ça fait super plaisir de lire ça. C'est vrai que des fois on se pose des questions parce que voilà. Mais ça fait, c'est grâce à ce genre de retour aussi que bah, ça met du baume au cœur et ça nous fait, ça confirme le fait que bah, voilà, partager, c'est dans les deux sens aussi et avoir des petits retours positifs comme ça donne encore plus envie de partager avec vous. Donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, il y a pas mal, hein, comme je le disais, il y a pas mal de jeunes qui se lancent, qui font de la peinture, qui Et voilà, faut les féliciter parce que c'est pas forcément simple. Et voilà, chaque initiative comme ça apporte à notre petit univers sympa qu'est le hobby. Alors, il y a des studios d'enregistrement à côté d'Happy Games Factory. Et en fait, en ce moment, les mecs, le soir, il y a un vieux boom boom permanent qui rend juste chèvre. Mais voilà. Je pense que vous en rendez même pas compte. Mais... Tu l'entends, toi, Julie? Bah là, ça s'est un peu calmé, mais tout à l'heure, c'était la folie quand même. C'est vrai. C'est la folie, comme dit Julie. Donc voilà pour ce petit gobelin foufou. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut absolument. Je pense que le prochain live. J'ai une. Enfin. En fait, ce que je vais faire, c'est que le prochain live sera peut-être spécial Patreon. Oh, il y a un moustique juste là. On va voir si j'arrive à le pécho. Non, non, il s'envole. Oh non. Je n'ai pas réussi à la voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, du coup, ça, le moustique m'a complètement. Le mec est complètement teubé. Dès qu'il voit un moustique. Oh, Luciole. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je pense que je vais faire un tirage au sort de toute façon pour gagner quelques figurines pour mes Patreons incessamment sous peu. Je vais mettre les bouchées doubles parce que ça fait un petit moment que je ne me suis pas occupé de mes chers et tendres Patreons qui me soutiennent tout au long de l'année. Donc, Patreon, c'est une petite plateforme qui permet aux gens finalement de soutenir bah, les créas comme nous, quoi. Et du coup, c'est très sympa. Et là, il faut que je refasse un petit tirage au sort. Parce que tous les mois, en gros, ça permet de pouvoir gagner une petite gurie. Donc voilà pour ce petit gob. Je vais lire un petit peu, puis tranquillement, je vais vous laisser. Ah, ben, il y a Sylvain Fromelet. Sylvain, rappelle-moi le nom de la chaîne, s'il te plaît, que tu fais avec Alexandre, je crois. T'as dit quoi? Non, l'entre-deux Shrek, ça, j'ai déjà donné la page. La page Facebook, mais en plus il fait des vidéos. Crixou, quel moyen a-t-on pour obtenir un tapis de lancer de dés? Ah, un tapis de lancer de dés, le seul moyen qu'il y a, c'était de se qualifier pour la finale, puisque c'est des tapis qui ont été imprimés exprès pour les finalistes. Donc tous les finalistes qui viennent à la finale de l'Open auront ce tapis de dés. Ensuite, peut-être que l'année prochaine, on créera des tapis, mais qui seront spécifiques. Enfin, qui seront des tapis estampillés Eden, mais sur lesquels il n'y aura pas écrit finaliste 2018. David Herbst qui dit ouais, mais le moustique, il aura plus d'enfants. Ça, c'est sûr. Il y a SC2X qui dit bonne soirée tout le monde, bonne soirée Mo, merci à toi, gros bisous.
Il y a Quentin qui dit Yo Shrek. Et oui, ça fait plaisir. C'est l'antre de Shrek aussi, j'ai pas cherché loin. Mais ouais, mais Sylvain, en fait, l'encre de Shrek, c'est. Parce que tu fais les vidéos avec Alexandre, je pensais que c'était sur son. Je crois qu'ils sont tous les deux. Mais bon, bref, je sais pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Ah oui, la sienne, c'est Mad Studio. Voilà, merci Sylvain. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que franchement, ça fait plaisir. T'as bossé sur ta conversion de Motogob pour le CDR. Ah, ben j'ai plus que bossé, je l'ai fini. Allez, je vais vous montrer quelques figurines or que j'ai fini. Je vais chercher ça, j'arrive. Qu'est-ce que ça? Il couine grave le parquet, je suis désolé. Alors ça, c'est mes petits kiffs en ce moment. Je me fais de l'orque et je m'amuse vachement. Alors, pour info, ça, c'était une des pièces que je préfère, que j'avais récupérées. C'est Alan Carrasco qui avait sculpté cette pièce en résine. Et du coup, c'est mon, ça va être une de mes figurines du coup, que je vais jouer en tant que Medic Orc. Ça, c'est un petit Weird Boys que je me suis fait en convertissant une figurine issue de je ne sais plus trop quoi. Donc, je trouvais le Red Boys de Games un peu bizarre. D'ailleurs, je vais en sculpter un, mais je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini. Donc, ça, c'est. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le Warthrike. Je me suis bien amusé dessus aussi. Donc, ça, sur le Warthrike, j'ai passé un paquet de temps, mais je me suis bien éclaté. Donc, je fais ça en parallèle le soir pour me détendre. Je ramène de la peinture à la maison. Julie, elle a envie de me tuer. Mais ça, c'est le petit Warthrike Defkilla. Et franchement, ça a été un régal à peindre, pas si compliqué que ça. Après, vous voyez, il y a plein de choses qui sont peu ou pas peintes, mais je me focalise toujours sur les zones de lumière pour que ça en jette. Et enfin, je me suis éclaté. J'ai pris en fait une figurine Eden. C'est un motard, c'est le séraphin de l'orgueil qui est sur cette moto. Et dessus, en fait, j'ai mis plein de petits gobelins que j'ai récupérés à droite, à gauche. Pour me faire cette conversion. Je sais même pas en quoi la jouer, parce qu'au final, voilà. Il faudra que je reprenne, parce que le socle n'est pas tout à fait fini, il n'est pas sur le même ton que les autres. Mais, voilà. En tout cas, ça me permet un peu de finir un petit peu sur ces éléments-là. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à me demander si vous avez des questions, si vous avez des trucs. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un live d'ici la fin de semaine. Après, à voir sur quoi, à voir quand précisément, mais je suis preneur de tous les commentaires que vous avez. N'hésitez pas sur cette vidéo à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera forcément pour le référencement. Et du coup, voilà, je vous laisse mettre un petit commentaire pour me dire quand est-ce que vous préféreriez que je fasse un live d'ici la fin de semaine, parce que lundi, je serai parti dans le sud, et sur la thématique et tout ça. Voili, voilou, les amis. Du coup, je vous fais un gros bisou. Gros bisou, Julie. Bisous à tous. Voilà, Julie aussi vous fait un gros bisou. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.